Peggy 18. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenu. Recoucou, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je suis là, j'arrive. Donc là, on va essayer de voir enfin qu'est-ce qu'il nous a fait. C'est là-dedans que tu craftes le grand arc, là? Oui. Alors, il va dans Warpone. Dans Warpone. Primitive. Ok, primitive. Ah ouais, mais tout ce que ça demande, c'est fou, ça. Hey, j'ai pas tout ça, moi. Ah, ils sont gourmands, quand même, hein, les mecs, hein. Ah, c'est chaud tout ce qu'il faut avoir quand même, hein. En plus, tu peux pas mettre des flèches normales dedans. Ouais, si tu dois mettre des flèches spéciales que tu dois crafter, à mon avis, à part. Ouais, ouais. Ça, ça doit être des flèches de ouf, ça, à mon avis. Une flèche, t'endors le mec, le Rex. Non, pour une flèche, c'est 3 touch, 3 films, 3 motos, une c'est moins d'une flèche, c'est un peu bizarre. Et c'est où tu vois les flèches, attends. Pour une flèche, c'est dans... Ça y est, ouais, ça y est, je l'ai, ouais. Mais tu les as pas, les flèches narcobéry, non? Ah, c'est que des flèches qui tuent, ouais, parce que je vois, en fait, ouais, comme tu dis, fibre, métal, et, machin, et du polystyrène, là. Oh là là, c'est des malades, quand même, hein, tout ce qu'il faut. Et le pire, c'est le C4, hein, le mec qui veut jouer avec, bonne chance, hein. Il a faim, le mec, hein, avec son C4. Les armes, ça va, c'est facile à faire, les armes, par contre. Le bazooka, ouais, il a l'air facile. C'est chaud quand même, hein. Non, en fait, problème, c'est la stim. Armure. Eh ben, on en apprend des choses, hein. Attends, je vois, parce qu'il y a structure aussi qu'on n'a pas visité. C'est quoi, structure? D'accord. Par contre, la structure électrique, ça sert à quoi de mettre d'électricité? C'est juste pour faire beau, en fait, non? Ben, en fait, tu peux faire fonctionner des digicodes avec. Ah, d'accord, c'est des digicodes, mais si t'as plus de quoi prévisionner, c'est foutu. Tu peux mettre un frigo aussi, puis ça dure plus longtemps. Ah, c'est bon, ça. Non, et le fort, ça, le truc, là, le fort, là, que tu débloques, ça sert à quoi, ça? C'est juste, en fait, pour ranger les trucs, genre des armes que tu veux pas te faire voler, quoi, c'est ça? Ah, le coffre géant, là. Ouais, le grand coffre, ça sert à ça, en fait, hein. Ouais, c'est quasiment incassable. Ouais, c'est ce que je pensais, ouais. C'est quand tu joues en PVP. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Non, il y a quand même des trucs assez impressionnants. Il y a des matières que je connaissais même pas. Le Sia, là, je sais pas quoi, je sais pas c'est quoi, ça. Ça ressemble à des perles. Le grand coffre, il contient, je crois, c'est 50 ou 100 slots. Eh bah dis donc, putain. C'est chaud quand même, hein, toutes les ressources qu'il faut, en fait, indirectement. Hein. T'es tout seul comme un con en train de jouer à ce jeu-là, c'est marrant. Hein. Donc on a amélioré un petit peu le fort, vas-y. Ouais, c'est ce que j'ai vu, ouais. C'est pas mal du tout, en fait. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est pas un peu que vous avez amélioré, surtout, c'est à fond, ouais. Ah non, mais vous êtes... Oh là là. Eh, vous êtes sérieux, les gars? Eh, vous avez vraiment pas... Ouais, c'est mieux, ouais, comme ça, ouais. C'est mieux, ouais. Bien joué, les gars. Moi, on a des armes au lieu des petits coups. Ah, c'est franchement vraiment pas mal du tout. En plus, ça tombe bien parce que je suis en train de filmer en direct. Sauf que ça, vous le savez pas, mais... je suis en train de m'amuser à filmer. T'as vu le salopard? À peine il arrive, il filme déjà. Jeff, je te ramène 10 plafonds. Mais franchement, c'est du bon boulot, hein. Putain. Ouais, ça les enclos, je les ai vus, tu les as fait hier. Non, mais j'ai une idée, c'est que au lieu qu'on mette des panneaux devant la porte de T-Rex ou le machin, ouais. C'est qu'on mette un tableau et que tu copies-colles une image, genre pour les T-Rex, tu mets une tête de T-Rex. Ouais, bah c'est, ouais, tu gères, y'a pas de soucis. Genre, je t'ai entendu parler avec ça, avec Jeff. Comment on fait pour copier-coller l'image? Ah, c'est bah. Ça, je sais pas. Mais par contre, on n'a jamais réussi à mettre l'électricité dans la maison, par contre, dans un premier temps. Non, bah, le générateur il est là, mais ouais, mais la tuyauterie on l'a pas, on n'a pas les fils, quoi. Si,
Ouais, moi aussi j'ai appris les crafts, mais après c'est quand même costaud, faut beaucoup de métal, c'est ça qui est chiant. Après, faut les ressources. Ouais, c'est ça. Le fait de faire la carrière de métal Ouais, j'avoue, t'as pas tort. De toute façon, on va la faire dans pas longtemps. Mais là, c'est franchement, je suis même impressionné parce que je m'attendais pas que vous avez fait un hangar comme ça, quoi. Les enfoirés. Non, mais sérieux, j'étais en train de me balader, mais j'avais pas capté qu'il y avait un hangar comme ça aussi grand, quoi. Un peu amusé quand même parce que bon, je me suis dit avec les aigles faut les protéger. Ouais, on sait jamais. Et quand hein. On fait transfert de ressources, c'est important. Ah, mais t'as raison, t'as raison. Après, moi, cette base-là, je pense encore l'améliorer encore plus, tu vas voir. J'en dis pas plus. Et là, en dessous, on aura des chaises, des tables, des palmiers, tout ça, des parasols. Ouais, c'est plutôt sympa, hein. Mais le pire, c'est que tu sais que je me suis fait rouler. Ah, regarde, là-haut, là. J'étais en train de construire ma maison, là-haut, là, sur le truc. J'ai pas réussi à mettre les pancartes en bas, là, comme vous avez fait. J'ai mis que des pancartes en haut, comme un gros con. Donc, ça veut dire que le mec, il s'accroupit, il passe en dessous. Tranquille, la vie est belle. Comment ça va? Bah, regarde comment j'ai construit, tu vas juste rigoler. Ah, oui, il a fait des... Je suis un clochard, qu'est-ce que j'ai fait, hein. Ouais, c'est ça, j'ai mis un panneau géant en pensant que c'était l'obstacle que t'avais en fait. Mais ça sert pas à grand chose en fait, ça sert à rien. Regarde, c'est beau quand même, hein. T'as vu? Et je me suis dit, pourquoi je peux pas mettre un autre panneau en dessous? Ah oui, parce que t'as pas mis le bon truc, c'est pas un mur ça. Ouais, mais moi je pensais que ça en fait, ça te servait en fait, tu pouvais en mettre deux en fait, un en haut et un en bas et ça te fermait le truc. Et bah non, en fait, ça fait rien. Non, c'est ça que tu... Tu vois le gros clochard? Ah non! De quoi? En dessous? Non. Non, mais au lieu de mettre le grand panneau. Là, ah oui, parce que moi j'ai mis le grand. D'accord. Et tu peux écrire. Ouais, parce qu'en fait ce que je voulais c'est faire la barrière que t'as fait, les enclos. Les enclos pour les rex, etc. C'est ça que je voulais faire. Mais j'avais pas réussi. Non, je sais que j'ai écrit sur un grand panneau, j'ai écrit une maison volée. Mais là c'est mal fait en fait de s'installer ici, hein. J'ai vu un mec en fait une fois sur un serveur, il s'est super bien installé ici. Il avait tout fermé et après il s'est fait un plongeoir en fait, il s'amusait à sauter. Tu sais, c'est tout apprivoisé en fait. Ça veut dire que si un mec il venait dans sa base, il avait des crocos, il sautait immédiatement dans un truc profond et après il avait même une échelle pour pouvoir remonter. C'était trop bien fait en fait. Ouais, donc en fait, si vous les cassez ici, y a pas de problème, on peut récupérer les ressources, hein. Ici, hein. Ça sert à rien, parce que ça, je vais le démonter, ça sert à rien. Ah oui, c'est vrai, c'est... Travailler ça, moi, c'est un peu... J'ai pas compris. J'ai loué le plafond. Je disais, c'est du travail de ça, quoi, qu'on a fait, là. Ah non, mais non, j'ai juste pris le mammouth, j'ai fait vite faire un épisode où je montrais ça, et au final, j'ai abandonné le projet, parce que le terrain n'est pas droit, en fait. Ah derrière tu peux pas, hein. Là tu peux pas, là où je suis là tu peux plus mettre de fondation, là, c'est mort, tu peux plus. Tu mets des plafonds, ouais. Tu vas grandir, tu mets des plafonds. Ouais, pas con non plus, pas con, ça j'y pense jamais à mettre des plafonds moi. Alors tu mets du cellier ou alors tu mets un frame dans le dessous et après tu peux poser ta fondation. Mais à ton avis tu peux faire une tour de combien de mètres en fait, parce que j'avais envie de faire une immense tour à partir de là, la faire en fait comme les grandes tours. La tour, tu peux la monter autant que tu veux, à partir du moment où tu as toute ta structure du bac qui est posée. D'accord. En fait, il n'y a pas de histoire de fondation, quoi. Tu mets ta fondation, et là, ta tour, tu peux monter tes murs sur un mur. Ouais, parce qu'en fait, je voulais faire en fait un grand truc. Donc, en fait, on vient d'ici, en bas, on traverse le lac avec un pont, et après, on a une immense tour d'observation ici, en fait, en hauteur. C'est ce que je voulais faire, comme ça, on a... tout en visuel en fait. Ouais, bah ça on le fera tranquillement après dès qu'on aura fini le pont, parce que pour l'instant on va pas non plus s'éparpiller partout, quoi. Ah ouais, bah c'est ce que je disais, on finit d'abord le pont, on finit les enclos, on fait les enclos, on finit la base à peu près en bas là. Donc, ouais, bah oui. On finit le pont. Et moi qu'on essaye de finir ça pour la fin du week-end. Oui.
Et après, attaquer la mine. Ouais, bah bien sûr. Et après ça, on le fera vraiment plus tard. C'est pas pressé, de toute façon, on a 3 mois pour faire... J'ai 3 mois pour présenter la série, c'est ce que je suis en train de leur dire, en fait. J'ai 3 mois, en fait, pour faire un immense truc. Donc c'est ce qui est bien. Par contre, il y a un gros défaut dans le jeu. Il y a un mec là-bas, il s'est construit une maison, mais par contre, il y a marqué qu'elle sera démolie dans 3 jours, dans 8 jours. Comment ça se fait? Parce que à une époque, on ne pouvait pas démolir du tout nos maisons, sans faire PVE. Et avec une mise à jour, ils ont fait en sorte que, il y a certains temps, si la personne ne se connecte pas, on peut démonter sa maison. Ah, d'accord. Si elle ne se connecte pas, mais si tu es régulièrement présent, bah, ça marche en fait. Il n'y a pas ce problème. Voilà. Ah oui, ça j'avoue c'est logique, ça j'ai rien à dire. Bah c'est mieux parce que des fois t'as des mecs qui viennent pendant 2-3 jours, après ils viennent plus du tout pendant un mois, voire 2 mois quoi. Voilà. Ça, je leur donne raison là-dessus, y'a pas de souci. Moi je pensais qu'en fait elles se détruisaient tous au bout de 8 jours, j'ai fait non, c'est pas possible. Non, c'est-à-dire que si, mettons, on va prendre Bigfoot, fait une maison, et qu'il ne se connecte pas pendant 7 ou 8 jours, nous, on peut détruire sa maison. D'accord, mais si tu fais partie de sa tribu, tant qu'il y en a un dans la tribu qui est toujours actif, c'est bon. Il faut qu'aucun membre de la tribu se connecte pendant un certain temps, pour qu'on, entre guillemets, c'est l'adversaire ça. Puisse détruire le... Exact, exact. Mais si t'as par exemple une team de 30 personnes, t'en as quoi? T'en as 29 qui se connectent pas, mais il y en a toujours un, c'est bon. Ça marche, ouais, c'est ça. C'est bien ça. Voilà. Parce que j'avais peur en fait, parce que tu vois sur Rust, les fondations se détruisent au bout d'une heure quoi, limite quoi. Et au bout de 2 jours, ça y est, t'as plus de monuments, t'as plus rien. Là, tant que t'as sur Rust. Ouais, c'est bien ça, ça c'est cool. Putain, mais ils avaient fait un hangar, mais il est impressionnant quand même, je suis sur le cul là. Ça m'a pris une journée. Ah bah, tu m'étonnes que ça t'a pris une journée. Parce que c'est du bois renforcé, c'est pas du stretch, hein. Mais t'imagines, tu dois refaire tout ça en métal. Oi oi oi, je crois que tu pleures. Hein. Ah, c'est ce que je me disais. Celle-ci va être faite, ici, le combat va être fait en bois. Voilà. Ouais. Et moi, je veux absolument, j'y tiens beaucoup, personnellement, à ce que la mine soit faite en pierre. Ouais, bah pas de soucis. Mais c'est quand même des projets assez chauds quand même, hein. Tu blagues pas toi, dès que t'es... En fait, tu copies trop sur moi, non je rigole. Tu fais des trucs de ouf toi. C'est chaud. Et la maison en face, c'est à qui? Alors c'était anciennement la maison à Killer. Ah mais il est plus venu en fait, c'est ça? Il est venu, donc c'est à nous maintenant. Ah d'accord, donc en fait c'est comme ça que ça marche en fait. Il appartient à la tribu. Ah d'accord, parce qu'il avait fait partie de la tribu. Ouais, ah, d'accord. Donc en fait, c'est du semi-raquette en fait. C'est le truc qu'on avait avec TGX autrefois. Sa maison était à nous, parce qu'il a eu un problème, donc on l'a invité pour le développer. Le problème, c'est que sa maison était à nous, donc on a accepté tout seul. On a dû démonter sa maison et tout refaire pour lui. D'accord, ah ouais, c'est normal, ouais, donc je comprends, ouais. Mais des fois, t'as des maisons, elles sont mal mises, hein. Il y a des mecs qui mettent des maisons, mais tu sais, ils les collent tellement près, mais il n'y a rien, en fait. Ils sont vides, ces maisons. De toute façon, celle-ci, c'est facile à démonter, hein. Ah bah, il n'y a pas de souci, hein. Faites ce que vous voulez, hein. Ça sera démonté plus tard, pour l'instant, on la laisse. Bah, quand tu regardes ce que nous a fait Skull et puis Sito, c'est magnifique, quoi. Ouais, c'est justement ce que j'étais en train de présenter dans l'épisode d'avant, en fait. Avant que Mister me montre les flèches où tu les craftes. En fait, disais Skull, franchement, c'est pas mal ce qu'il a fait avec ses amis-là. J'étais même pas au courant qu'on pouvait faire ce genre de choses, en fait. Ah, comme quoi que c'est sympa. Et nous, en tant que membre de tribu, on y a accès, même. Ouais, bah bien sûr, bien sûr. Mais lui, de toute façon, il est dans le partage, hein, Skull. Hein. Il est pas personnel, en fait. C'est ça qui est cool. C'est pas le mec qui vient faire sa maison et après qui se calcule personne, tu vois. Il veut vraiment faire évoluer la tribu, c'est ça qui est cool, là, en fait. Donc c'est tant mieux, quoi. Donc voilà, les amis, vous avez pu voir que c'est franchement sympa. Quand tu viens dans la tour, Buddy. Ouais, je l'ai déjà vu, hein, t'inquiète pas, hein, elle est sympa. Hein.
Donc moi les amis, je vous retrouve pour la suite dans le prochain épisode. Faire des murs sur une hauteur de 20 à 30. À tout à l'heure. Tu m'en manques où t'as une échelle pour monter jusqu'en haut, t'as pas de problème. Bah c'est ce que je vais faire. En fait, la grande tour, je vais faire pareil en fait que ça. C'est un exemple que je veux prendre en fait.